Salut les petits clous, bienvenue, nous sommes au musée de l'air et de l'espace. C'est-à-dire, on est au Bourget, tout ça pourquoi? Pour des DS. Alors, quel est le rapport entre le musée de l'air et de l'espace et les DS? Ben, c'est que DS vient de sortir une nouvelle finition qui s'appelle tout simplement Saint-Exupéry. Eh ben, rien que ça, Saint-Exupéry, ils osent nous faire une série spéciale. Alors, qui intervient quoi? Bah, quasiment rien. On a une couleur violette dorée. J'aime pas. Non, j'aime pas. C'est sur les trois modèles, hein. DS3, DS7 et DS4. Et dans cette finition très haut de gamme, regardez-moi ça. Bon, par contre, on est toujours sur l'intérieur des DS, donc c'est plutôt sympa. Il y a toujours du cuir, c'est toujours plein de fer, c'est toujours de très bonne qualité. Et ben là, cette finition, eh ben, elle intègre quoi? Elle intègre juste des petites plaques qui sont magnifiques, hein, mais bon, c'est pas ça qui va faire vraiment la différence. Vous avez aussi, voilà, des petites plaques là, des petites plaques là. Sinon, ça reste dans l'univers DS et en plus, on conserve les mêmes moteurs. Donc, rien de neuf, à part donc l'extinction de la finition haut de gamme Esprit de voyage. Au profit de cette Saint-Exupéry qui amène juste cette couleur violette dorée et pas grand chose de plus quoi. Mais bon, à défaut d'avoir une vraie nouveauté qui elle par contre arrivera à la rentrée, c'est annoncé la DS4 100% électrique. Là, ça, c'est vrai, compact, arrive très rapidement et en plus ils annoncent aussi une grosse nouveauté. Alors c'est mon petit doigt là, celui-là, qui m'a dit que c'est une DS8 qui arrive sur la plateforme de la nouvelle Peugeot 3008 et donc elle sera 100% électrique avec la fameuse donc plateforme Stella Medium qui sert aussi pour le Grandland. Donc voilà les nouveautés DS. On espère enfin avoir quelque chose d'autre à vous montrer que cette couleur violette dorée et des petites plaques à la noix. Allez, à plus les gars!